Merci de m'avoir invité. Vous êtes venu en retard. Vous avez raté de très belles prestations. À Mouskoulin, j'étais là avec sa guitare. Et on a eu de très beaux textes de... Comment il s'appelle encore? René Dépestre. Je connais un très beau texte d'un auteur jacmélien. Jacques Mel au clair de lune. Me voici transporté dans un monde nouveau, grâce à vous, astre d'or, aux lunes pur flambeau. Au balcon accoudé, vers la voûte étoilée, m'apprenait le semeux de mes larmes voilées. Quelle sérénité dans les terres éclatant. Je ne me souviens pas du reste. Pas mal, quand même. Je n'ai pas eu le plaisir d'être présenté à votre mari. Mon mari? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis mariée? Ah, la bague, non, c'est la bague de ma mère. Ce monsieur est un très bon ami à moi. Jacques, c'est Roger. Roger est de passage à Jacques Mel. Enchanté, Roger. Enchanté. Sarah, je rentre. Oh, ok. On se voit demain? D'accord, très bien. Bon séjour. Merci. Au revoir. Bonsoir. Alors, si on brisait la glace, on se disait tu. D'accord. Alors, tu vas où ce soir? Je vais chez les d'Ambreville. Vous connaissez? Je croyais qu'on se disait tu. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais où c'est? Oui, je n'habite pas très loin. On y va ensemble? D'accord, on fait la route ensemble. Ok. À part le restaurant, je suis déco par correspondance. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je plaide les bonnes et parfois les mauvaises causes. Je suis avocat. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de tes services. Bon ben, je suis arrivée. Déjà. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Écoute, tu continues tout droit et tu seras chez toi. Ça va. Merci beaucoup pour la soirée. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es encore là, mais tu vas pas rester planté devant la barrière toute la nuit. Non, 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 je m'apprêtais à partir. Et dis, pourquoi tu as ouvert la barrière? Tu t'attendais à me voir planté là? Non, enfin, à vrai dire, oui. Écoute, j'accepte de te servir de guide. Je m'arrangerai avec ma tante pour qu'elle tienne le restaurant. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Donc tu passes me prendre ici demain à 8h? Demain à 8h. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, monsieur Débordé, mon cher, pas gagné, je fais le canard, ça coûte. Mais c'est un lègue, mon roi, si tu veux t'avoir matin. Mais nous avons rendez-vous à 8h, où est-il allé là? Nous avons rendez-vous à 8h. Mais certainement. Depuis quand? J'ai même pas encore mangé. Attendez, 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 monsieur. Est-ce qu'au moins le gonti sera un petit cousin au moins? Ou bien n'importe qui, ami, pas de problème. De toute façon, on va te dire, on peut te garder. On a bien joué, même. Pourquoi tu es là, Philippe? Non. Ok, ben, je vais pas rester la journée ici. Bien obligé de partir, mon cher. Tu viens juste de rencontrer ces gars-là et tu t'aventures déjà avec eux. Bon, c'est pour nous, c'est pas qu'elles viennent de Port-au-Prince. Rodida, ne t'inquiète pas pour moi. Ils ont l'air décents. Ils ont tous l'air décents. Y en a-t-il un particulièrement qui a l'air décent? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je n'aime pas beaucoup ça. Pas du tout. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ah, voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Excuse notre retard. Hein. Mais vous n'êtes pas si en retard que ça. Mais rentrez, ne restez pas dehors, on peut venir. Tantida, je te présente Roger et... Bonjour, madame. Félix. Bonjour. Enchanté. C'est Grégory. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va, messieurs? Très bien. Ça va, merci. Bon, ça aurait pu aller mieux. Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Non. Eh oui, merci madame, merci. Appelez-moi Tatilda, c'est ainsi que tout le monde m'appelle par ici. Alors comme ça, vous visitez Jacques Mel? Oui, nous visitons Jacques Mel et nous sommes très reconnaissants à votre nièce de nous servir de guide. Ça oui. Écoutez, vous avez mon seul bien en main. S'il lui arrive quelque chose, je vous fais pendre. Oui. Ne vous inquiétez pas madame, elle est entre de bonnes mains. On va bien prendre soin d'elle. Mais je peux très bien me défendre toute seule. Alors on y va?
Au revoir, tante Hilda. Au revoir, tante Hilda. Au revoir, tante Hilda. Au revoir, madame. Fais attention à toi, ok? Ça s'est inquiété, tante Hilda. Je t'avais dit qu'ils avaient l'air décents, n'est-ce pas? Léa, peut-être. Mais sont-ils vraiment décents? Ça, c'est une autre paire de manches. Enfin, allez, vas-y, ne rentre pas trop tard. Ben, tante Hilda. Ouais. Où est-ce qu'on va? De ce côté. Allons-y. Ouais. Alors, oui, Alors comme ça, tu repars dans 2 jours. Eh oui. J'aurais bien aimé rester plus longtemps. Hein. Je n'oublierai jamais ce séjour à Jacmel. Tu reviendras, j'espère. Oh, ça c'est certain. Sarah, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Cela a été un plaisir pour moi. Tu sais, j'ai une question cliché. Je voudrais quand même te la poser. Vas-y, je t'écoute. Je me demande comment une aussi belle, charmante et instruite jeune fille comme toi n'est pas quelqu'un dans sa vie. Tu sais, cela prend du temps pour s'instruire. Et cela me laisse très peu de temps pour autre chose. Mmh. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça.